Hey, salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Banishers, Ghost of New Eden, où j'ai juste rejoint la maison de... Comment elle s'appelle cette ville? C'est pas les Hers, celle où il y a le camp des chasseurs. Voilà. On avait fini le cas de hantise de... Comment il s'appelle? Scutter. Je sais plus le nom, le prénom. Mais en gros, des Scutter où il y a le père qui était revenu. Une histoire d'assassinat sur la rivière, tout ça, tout ça. Là, on va retourner directement à la suite de l'aventure, c'est-à-dire ici. Le fort Jéricho. Alors, vous voyez qu'ici, on a 2-3 cas de hantise à faire. Je suppose que nous n'ayons pas besoin de faire tous les cas de hantise pour résurrecter, faire la résurrection de notre femme Antea. Donc, j'y vais. Et je vais à la mine. Voilà. Afin d'avancer dans l'histoire. Allez. J'ai un fusil, j'ai des épées, tout va bien. Mais ça a changé de direction! C'est par là. Absolument pas, j'en suis sûr. Et merde! Alors... On doit retourner à la mine, il y avait une histoire de... je sais plus quoi. Vous vous rendez compte que je l'ai fait il y a même pas une heure. C'est-à-dire que je l'ai fait juste à l'épisode précédent et je me souviens plus c'est quoi l'histoire. Si on ne tient pas si. Les circonstances, c'est quand même plutôt romantique. Déjà enfermé il y a 7 ans. Les spectres ne sont-elles pas à ton goût? Si je suis avec toi, ça va. Il s'en souvient des gens enfermés il y a 7 ans avec le mari de Janine. Janine, la chef qui était partie chercher des provisions là-haut. J'aime pas trop ce petit vent, je dois dire. Et qui veut tuer le capitaine du fort. C'est peut-être le bon moment pour te demander en mariage. Essaie et je coupe la corde. Je t'aime, veux-tu m'épouser? Ah ! Non mais ça c'est toujours ça. Ça c'est horrible. Mesdames, s'il vous plaît. Enfin... Maintenant, même messieurs ou mesdames, ou messieurs, ou mesdames, messieurs, si vous voulez, pour ceux qui vous aiment, demandez pas l'avenir à celui qui veut vous demander en mariage. C'est horrible. Vous savez pas c'est quoi la pression de savoir quel est le meilleur moment. Mais oui, le meilleur moment, c'est quoi le meilleur moment? Oula. Pied. Merci. Quel est pour vous le meilleur moment? C'est horrible. Parce que, regardez, pour moi... Aïe. Imaginez que pour moi, ce soit une visite à la décharge. À la décharge publique. Mais ça s'est bien passé et on a pu livrer 35 tonnes de nos déchets dans le jardin. Et donc, que derrière nous puissions faire notre jardin d'amour. Bon, jardin japonais, vous savez, le zen, tout ça, tout ça. Mais vous, vous imaginez le grand spectacle. C'est ça qui est horrible. Mettez pas trop d'ambition, s'il vous plaît. On coupera peut-être ça au montage. En avant. Quelle vue magnifique. Celle que j'ai tous les matins à mes côtés est bien plus belle.
Si t'essaies de me séduire, il faut que je te prévienne que ça risque de fonctionner. Vous savez que je dis le même genre de phrase à ma femme tous les matins. Ah, c'est horrible. Le romantisme meurt, mes amis. Moi, tout ce que j'espère, c'est que le Ciné Noir dit ça à Chubiti tous les matins. Sinon, plus de vidéos sur la chaîne du Ciné Noir. Quoi ? Oh, fais chier. Tu vois ces membres ? C'est le bon endroit pour révéler ceux qui pourraient s'attarder dans le coin. Encore des spectres à la con. Peu le temps que je le dis. Allez hop. Ah. C'est moi ou... Je l'ai senti aussi. Et merde. Un truc dans l'immatériel. Ok, du lierre, il y a... C'est le lierre qui fait ces formes-là. Souvent, ces formes-là, c'est quand il y a un jump. Quelque chose par ici. C'est caché. Pourquoi ? C'est bloqué. Hein ? Quoi ? Mais pourquoi ? Quoi ? Mais ça n'a pas de sens ! Oui, il y a quelque chose ici. Mais c'est ça ou c'est pas ça que je dois chercher ? Ah, d'accord. Ça n'a pas de sens. Arrêtez de mettre des combats partout ! Cette zone qui est juste pour aller récupérer deux ressources, quoi. C'est ça que j'aime pas dans les jeux vidéo, bordel! Moi, de jamais t'énerver. Trois ressources, évidemment. Ça sert à quoi de mettre ça, bordel? C'est pour trois ressources qui servent à rien. Attends, t'es sérieux? Quoi? Me dis pas qu'il faut que j'aille tuer le fantôme qui est derrière moi. C'est bien de mettre du gameplay et tout, mais évitez que ce soit toujours la même chose, quoi. En fait, là, le chemin principal, c'est le chemin qui sert à rien. Oh là là. Mettez des énigmes différentes, quoi. Je sais pas. Des trucs. Voilà, je savais bien que là, il y avait le truc du saut. Je l'ai dit. Qui a pas l'air. Je vais pas y arriver là. Gna gna gna, tu l'enlèves parce que gna gna gna. Ça marchait, mais on te l'a enlevé parce que gna gna gna. Et il faut aller de l'autre côté, donc il faut détruire ça. Il est où l'autre débile de machin? On a du temps. Donc ça veut dire qu'il faut aller le chercher. Alors... Non. Ça remonte à droite. On a quand même pas mal de temps sur ce truc. Trop long, je pense.
Ça vient de l'invisible. C'est relou. Je vais tirer sur les racines infectées. Dès que tu lui auras dégommé le cœur. Il y en a une là et une. Ah, okay. D'accord. T'es chiant, Jacqueline. C'est bon ? Il y en a une troisième. Fait chier que j'ai pas vu. Ok, elle est là. Ça n'a pas marché parce que j'étais pas assez près. Et une. Et deux. Et deux, trois. C'est bon, c'est fait. Il vaut mieux pacter un jardin. Entière. Bannisseur, je vois que vous avez trouvé le chemin. Sébastien, qu'est-ce que vous faites ici? C'est une des personnes qui était impliquée à mon avis. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est là qu'ils ont été enfermés. Aussi difficile soit-il de marcher dans ces tunnels obscurs. Je vous guiderai du mieux que je peux. Vous êtes sûr de vouloir nous accompagner? Vous êtes sûr de vouloir nous accompagner? Vous n'êtes pas obligé. Il le faut. Pour Hélène. À propos des actions de Pennington. Pennington a pris une décision importante et terrible. Vous devez ressentir votre mort comme une injustice. Je suis soldat. Je connaissais les risques. La mort fait partie du métier. Un soldat meurt pour sauver de nombreuses vies. J'étais au service des malades et des mourants. Quand mon tour est venu, j'étais prêt. Mais maintenant, au fort, il n'y a pas de noble sacrifice. À quoi bon mourir, alors que tout le monde est condamné? Ça dépend, qu'est-ce que t'appelles être condamné? Dites-en nous un peu plus sur Hélène. Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire de plus. Ma femme est une femme forte. Et qui s'exprime sans détour. Tous les jours, je remercie Dieu d'avoir une compagne et une amie à mes côtés. Je ne m'attendais pas à la rencontrer. Lorsqu'elle est entrée dans ma vie, j'étais seul. Elle m'a donné envie d'être un homme meilleur. Ah, ça, je comprends. Elle m'a offert un mouchoir. Je le tenais dans ma main à ma mort. C'est un symbole de notre amour. Elle était toujours dans mes pensées. Elle y est encore. Elle est tout ce que j'ai. Et elle le sera jamais. Mouais. Qu'est-ce qu'on va trouver tout au fond? La rage des oubliés. Il lui faisait confiance. Il les a trahis. Il les a abandonnés. Je doute que vous puissiez l'apaiser. Merde. Elle était. Mais. C'est bon. Ne perdons pas de temps. Suivez-moi. C'est quand? Je sens que ça pue. Je sais pas ce qu'on va trouver, mais ça pue.
C'est bon, c'est rechargé. Mais déjà... C'est marrant qu'il y ait une série qui s'appelait Jericho aussi. Enfin, je l'espère. Dommage. Elle me plaisait bien, cette petite balade. Est-ce qu'il y a une histoire avec Jericho et la Bible ? Moi, ça me dit rien. Parce qu'on est un peu Adam et Ève, tout ça, tout ça. Hein. Ça me dit rien, j'ai la ville de Jéricho. Ce qui me dit plus de choses dans la Bible, c'est Sodome. Mais c'est autre chose, ça. C'est pas le même type de ville. Si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que tout va bien ? Finissons-en. Oui, des ressources, comme d'habitude. Pennington a ordonné qu'on installe les barricades le plus vite possible. J'ai à peine eu le temps de dire au revoir à Hélène. Ça a dû être dur. Un soldat doit faire des sacrifices. Ouais, mais Milmo traverse les âges sur des ailes d'argent. Alors attention, ceux qui ont la référence de ce jeu, de cette chanson. Moi ça me va. Hein ? Mais j'ai changé. Merci. Le poids face à un fantôme ? Eh oui, je fais le poids face à un fantôme. Quoi ? Les esprits de ces soldats étaient enragés. Les soldats n'ont pas été épargnés. Ceux que la maladie ou la soif n'ont pas emporté sont morts de désespoir. Qu'est-ce qui vous a emporté ? Le désespoir, sans aucun doute. C'est marrant aussi qu'il n'y ait pas une stat de rechargement pour le fusil. De vitesse de rechargement. Que le fusil aurait mérité ça, je pense. À son apogée, c'était une sacrée opération. Vous voyez cet ascenseur, il descend jusqu'en bas. Ok, donc le bas c'est en bas. C'est ce qu'on est en train de me dire. On y va. Qui sont remontés, remplis de minerais. Ouais, on les connaît ces mines. Oh merde. Symbole de sorcière, ça. Les mineurs ont abandonné leur travail dès qu'ils sont tombés malades. Et ils ont travaillé jusqu'à la fin. Mouais. J'y crois peu. C'est pour dire pas.
Les mots du passé subsistent ici. Hop là. Hop. Hop. Je le sens mal. Impressionnante. Comme toujours, non ? Je réponds de quoi tu parles. Ma chérie, d'après ta mère, mes dernières nouvelles t'ont attristée. Alors, je t'écris directement. Tout va bien. On nous a enfermés pour notre sécurité, pour que la maladie ne se propage plus. Les infirmières s'occupent de nous et les hommes de la milice nous apportent eau, nourriture et autres provisions. Sauf que tout le monde va mourir. Tout ça sera bientôt fini, je reviendrai à la maison. On ira pêcher à la rivière et jouer avec Dudley. El famoso Dudley. Je t'apprendrai à tirer... Hein ? Ce sera notre petit secret. Je t'apprendrai à tirer quoi ? Mesdames, dites-nous. Aide ta mère, la maison et au marché. Occupe-toi de ton frère, fais tes prières et reste forte. Ah, je suis pas sûr qu'on va se voir. Hein. Je sens la malédiction et le sort qu'on a déjà trouvé. Il faut qu'on trouve le rituel dont nous a parlé chercheuse. J'ai gardé ses notes sur l'emplacement de la cabane. Ok. Alors... Alors... Aveugleman... Oui, c'est toi, c'est Aveugleman. Mais ça va pas remonter. Voilà. C'est bloqué. Merde. Il y a une forte présence spectrale ici. Beaucoup sont morts ici. Ok, il fallait juste appuyer dessus. C'est un fragment de la voix d'un fantôme. Qu'est-ce que c'était que ça ? Oh oh. Ah, bien. Donne du flamme dans ce là. Génial. C'est pas fini. Allez. Fais attention, l'Écossais. Hein ? Pour coup de picole peut tirer ? Hein ? Merci. Très bien. Attention à tes appuis, Red. C'est gentil de vous joindre à nous, Sébastien. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'on vient d'entendre ? Je ne peux pas. Et maintenant ? Il faut qu'on passe le barrage. Suivez-moi, s'il vous plaît. Ouais, on va tuer. Et merde, on n'a pas la clé.
Quoi par là? D'accord. Rien. J'ai suivi des tunnels pour rien. Je ne suis pas très content. C'est moi ou... Je l'ai senti aussi. Ah bah heureusement que tu sens des choses, Jacqueline. Au moins tu sers à quelque chose. New Eden, la perte de la notion du temps. Pas d'hiver. Tout est lié avec pas d'hiver. Et j'en suis sûr. Ok, y a un truc là-bas à aller chercher. De l'argent. Ni plus, ni moins. Alors, parquer les différents coffres. Merci le jeu. Mais on aime l'argent. La AK Production aime l'argent. L'argent! Donnez de l'argent à la AK Production. Oula, il a bu de l'alcool ou quoi? Ça c'est les Écossais ça. Force de boire des thés écossais, il voit plus très bien. Il voit plus très bien. Les mots d'un fantôme résonnent ici. Crotte de bic. On crevait chaud dans les galeries. Mais Wilson dit qu'il ne peut pas y faire grand-chose. Il a dit que si on voulait toucher notre paix, il fallait continuer d'alimenter le fourneau. Ça va? C'est tout, ne me dis rien qui vaille. Mouais. J'aurais pas aimé travailler ici avec les fourneaux allumés. Leur travail... Oui, c'est pas les premiers qui ont travaillé dur pour acheter une ville. Bref. Alors... Qu'est-ce que c'est ? Un poste de contrôle improvisé. Il marque la moitié du chemin. Il s'attendait à affronter un régiment? En quelque sorte. On savait que les malades résisteraient. Charmant. On ne peut pas reprocher à un homme de vouloir rentrer chez lui en vie. Oui et non. Rien de sortir des mines. En vrai, ça dépend qui doit, de quel côté vous êtes du fusil. Parce que
on va pas lire ça tout de suite, mais si on prend le sida, et que si le sida, on sait aujourd'hui, qu'il ne se transmet que par le sang. Si on avait enfermé toutes les personnes du sida dès qu'on l'a su et qu'on les avait toutes tuées, eh bien, il aurait peut-être disparu à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant, est-ce que nous sommes prêts à sacrifier 1, 2, 3, 15, 20, 30 millions ou 1, 10, 15, 20, 30, 40, 50% de la population humaine pour les sauver d'une seule maladie? Ah, jusque-là, voilà. Le Covid remet tout en perspective, mais le Covid était plus facilement contré. Merci de réfléchir à cela. Tout dépend de quel côté du fusil vous êtes. Lieutenant Price, vous ne devez... vous me décevez. Tout le monde attend des informations réconfortantes sur les mines. Je n'ai pas pu leur lire votre dernier rapport. Nous faisons face à une crise redoutable et chacun a un rôle à jouer pour empêcher la propagation de la maladie. Si quelqu'un s'y refuse, vous devrez être ferme en tant que chef. Quand vous recevrez cette lettre, je condamnerai... Pardon, je condamnerai les mines, la quarantaine tiendra, et vous aussi, jeune homme. C'est une femme, le nom Price. Hein? N'oubliez pas votre entraînement, j'ai hâte de vous accueillir, vous et ceux que vous aurez sauvés. Quand la situation se sera améliorée, vous serez récompensé pour votre courage. Vous êtes notre dernière ligne de défense, Sébastien, soyez fort. Pourquoi Pennington aurait-il cessé d'envoyer des vivres? Il avait décidé que nos vies ne valaient pas la peine d'être sauvées, alors qu'il brûle en enfer. C'est suffisant pour engendrer un spectre. Poursuivez. Les quartiers d'habitation sont droit devant, si vous insistez. Juin 1688, réception à l'entrée de 5 caisses de munitions, 2 miches de pain, café, 3 couvertures, sortie à l'entrée de rien. Mais les couvertures étaient-elles à Paris? C'est ça la question que nous nous posons. Était-ce les couvertures? Attention, j'en vois un autre. Attention! Mais je veux sortir, je veux sortir. Je peux pas sortir. C'est pas du tout ça que je voulais. Merci. C'est bon. Il a disparu lui. Bah. Pas cassé ça. Oh, laissez-moi le casser. Ça fera un raccourci. Ce mineur s'est fait tirer dessus. J'étais du côté où il y avait des ressources. Ouais. Elle a échoué. Pourquoi ne pas en avoir parlé avant alors? Navré. Ce souvenir m'était simplement trop douloureux. Mouais. Il me paraît bizarre, toi, le fantôme. Pas un spectre ordinaire. Peut-être que dans notre douleur, alors qu'on hurlait pour être libéré, on a créé des chaînes.
La question est de savoir comment ouais. Les briser. J'aperçois un maillon faible. C'est celui qui a pas eu la bonne réponse ? Pardon. Correct. Alors. J'ai trouvé un point faible. Je vais te montrer. Là, ici. Les doigts dans le nez. Et les bonnes manières, alors. C'est parce qu'à part ici, mais une chose est sûre, ça ne lui a pas plu. Quoi ? Mais oui, je dois détruire les chaînes, c'est bon, j'ai compris. J'ai appuyé. Toi, tu vas pas me faciliter la tâche. Je vois rien. Merci. On aime ça. Évidemment, le fait qu'il y ait une barrière. Fais gaffe. Je vois rien. Je vois rien. Je vois rien. Merci. C'est pas ça que je voulais. Ah, elle est pas revenue. Terminé. Je peux participer aussi? Mais t'as fait que ça, participer, arrête de... Regarde ça. Je sens un écho qui retentit, comme un bourdonnement. Red, regarde ça. C'est quoi cette marque ? Je l'ai déjà vue dans tes livres. C'est de la nécromancie. Ramener des cadavres à la vie, contrôler des esprits, ce genre de choses. Tu as déjà vu un fantôme ramener des morts à la vie et les contrôler ? Je pensais que ce n'était que des légendes. Je m'étais peut-être trompé. Mais continuons notre travail. Allez. Occupons-nous de briser ces chaînes. Okay. Je l'avais bien vu. Inspecter rien. D'accord. Enveloppe rapide. Enveloppe rapidement le corps. Hein ? Attends, attends. Envelopper rapidement. Ah oui, envelopper, pas enveloppe. Ouhou ! Envelopper rapidement dans le corps, dans du tissu pour convertir toute la peau. Ok. Couvrez la bouche et le nez pour protéger les vapeurs. Mmh. Qu'est-ce qu'ils ont fabriqué ? Des traces spectrales bloquent le mécanisme. Non, c'est faux. C'est même pas un homme musclé. Pas capable de sauter et de se hisser. Alors... Évidemment.
combat. Même pas. Bien vu, le jeu vidéo. Alors, on retourne en arrière, là ? Non. Si. Je sais pas. Si, ça, c'est le point de passage, ça. Oui, il y avait des ressources, là. Horrible. Les mines, c'est horrible. Briser les chaînes. Toute personne attaquant la mini sous les enfermés sera isolée. Et affamée. J'ai pas de bottes, hein. Ok. Il y a un truc là. Des mots du passé subsistent ici. Ok. Ouais, donc l'autre, c'est juste une manifestation de l'esprit. Il est pas réel, en vrai. Toute personne a de grande vie... Oui. Ça sert à rien. Tout ce machin. Quelle est cette chose ? Ça marchera pas. Il y a quelque chose qui bloque le mécanisme au-dessus de la porte. Tu arriverais à l'atteindre ? En passant par là, oui.
d'amour piégé dans la montagne. Et j'ai entendu dire que la nourriture était mauvaise. Bah, je sais pas, c'est toi. Hein. J'envoie cette miche de pain. Aïe, d'accord. Ok. Je vais supplier Terence pour voir. Pour. Que tu la reçoives. Ça doit être terrifiant d'être seul dans le noir parmi les malades et les mourants. Ce qui t'occupe bien d'eux, mais. Pense aussi à toi. Pense à nous quand ils rouvriront les mines. Oui, ils le rouvriront, oui, la semaine prochaine. Le dernier rapport envoyé par Sebastian Price au capitaine Pennington ont été lus en public. C'est émouvant de savoir que tout se passe bien. Apaise mon âme. Le capitaine a beau être rude, il tient au sien. Oui. Pennington pensait que tout allait bien. Vraiment ? Il mentait. Il nous a tous manipulés. Il doit répondre de ses actes. Il nous faut des preuves. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Le capitaine doit payer. Ouais, tout va bien, ouais. C'est évident. On enferme des gens dans les mines et tout va bien. Le souvenir d'un fantôme résonne ici. Ils nous ont dit d'attendre pendant quelques jours, et c'est ce qu'on a fait. Les jours se sont transformés en semaines, mais on a tenu bon. Maintenant, il n'y a plus à manger, et ils ont verrouillé les portes. Il faut agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Les mourants doivent mourir seuls, oui. Moi j'ai comme que l'impression qu'il y a un capitaine qui savait ce qui se passait. Tout milicien ou tout infirmier malade sera placé en quarantaine. Ah non. Le 22 juin, la nuit dernière, j'ai dû amputer le bras d'un mineur. Il avait été touché par balle. Hein? Lors de l'attaque du point de contrôle. Ok. Il n'était pas en danger, mais il perdait trop de sang. Sarah et moi n'avions pas arrêté l'hémorragie. Aucune de nous ne savait comment faire, mais j'étais la plus vieille, alors je me suis occupé. Le bruit de la scie sur l'os du pauvre homme, alors qu'il criait comme au diable, résonnait à jamais dans ma tête. Il y avait beaucoup de sang, Sarah s'est tournée et a vomi par terre. Je ne pouvais pas m'arrêter, et j'avais déjà atteint la moitié de l'os. J'ai continué à scier. J'ai pensé que ça sauverait, mais il est tombé malade, il est mort. Il s'appelait Gérard, ou Geralt, de Rive. Peut-être ça n'a plus d'importance. Ouais. En vrai, amputer quelqu'un à vif, ça doit être une expérience. Je sais pas si vous êtes déjà coupé. Prenez un couteau. Ne le faites pas chez vous, s'il vous plaît. Message d'alerte. Ne le faites pas chez vous. Mais quand vous vous coupez, ça fait atrocement mal. Et vous vous coupez sur... Allez. Pour les plus profonds, 2-3 dermes. Il y a 7 dermes. Après, il y a les chairs et après, il y a l'os. Quand vous prenez votre doigt, vous dites que 80% du doigt, c'est de la peau et des muscles. Il y a 20%, c'est l'os. Imaginez vous couper le doigt à vif. Et on parle du doigt, on parle pas de la jambe avec le fémur. Prenez votre jambe et dites-vous qu'il y a 20% de votre jambe, c'est l'os. Et encore, peut-être que 20%, c'est énorme. Ça doit être horrible à vivre. Avec ce genre de truc.
Il faut que tu vois ça. Ah. Plus efficace que la poudre à canon. En vrai, si un jour vous devez m'amputer à vif, tirez-moi une balle dans la tête avant. Je pense que ça fera... Bonjour, je pense que ça fera moins mal. Moi aussi, je veux m'amuser. Ne t'en fais pas, on va venir te chercher. Je ne pense pas que vous soyez prêt à affronter cette créature. Faites demi-tour. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je pensais que... Et vous devriez peut-être la voir. Voir ce qui croupit ici. Ouais, regarde. Ok. Quelque chose, c'est proche. Un cadavre. Revelio. Ok. Avec eux. Maintenant la porte va fonctionner, c'est ça hein? Ok, un chariot ici. Chercher les ressources. Peut-être un truc là-bas aussi. Jusque là-bas. Hop là. Clairement, il y avait quelque chose ici aussi. Allez, en avant. Pire que les mines de Nashkel. Si je descends là, je mets une corde ou pas? Oui, ok. C'est horrible! Oh là là. Ok, il y a un truc là au niveau de la corde qui empêche le pont de tomber. Ouais, clairement, on va arriver là. En suivant la chaîne. Ah non, c'est vraiment pire que les mines de Nashkel.
pouvez pas aller dedans. Il y a pas de chariot, donc peut-être qu'il viendra de par là. Chariot pour aller là-dedans. Clairement, oui. Ok, mais nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.